Embarquez pour la solitaire du Figaro avec Mutuelle Bleue, présent pour vous. Éprouvante, éreintante et toujours aussi exigeante, en 52 éditions, la solitaire du Figaro n'a pas pris une ride. Et malgré la difficulté de l'épreuve, nombreux sont les skippers à en redemander. Alexis Loison en est à sa 16e participation. On pourrait se lasser, mais je pense que je pourrais trouver que moins bien que cette course. Vraiment, c'est une course à part et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens reviennent la faire. Il y en a qui l'ont gagnée et ça n'empêche pas qu'ils reviennent. Moi, j'ai toujours pas gagné, c'est aussi pour ça que je reviens. Après deux étapes, le marin normand est 5e au classement général, à 2h40 derrière le leader Pierre Quiroga. Les trois premiers, que ce soit Xavier, Tom ou Pierre, on sent qu'ils sont un cran au-dessus. Et c'est vrai que ça va être dur d'aller chercher, mais c'est peut-être justement en attaquant fort qu'il y aura peut-être moyen d'aller chercher. Quoi. Chercher à dépasser ses limites, c'est ça, l'ADN de la solitaire du Figaro. C'était la solitaire du Figaro avec Mutuelle Bleue, présent pour vous.